Un nouveau commencement n'est possible que pour une personne qui accepte de se voir comme étant neuf. Tu ne peux pas vivre une nouvelle vie si tu ne te vois pas d'abord comme une nouvelle personne. Tout commence dans le monde intérieur. Le monde intérieur va toujours triompher du monde extérieur. Si tu veux changer le monde extérieur, tu veux sortir de la colère, de l'amertume, de la débauche, de l'impudicité, de toutes les formes de vices, de mauvaises habitudes qui te tenaient, sans prendre le temps d'être transformé à l'intérieur de toi et de te voir d'abord comme quelqu'un de doux, comme quelqu'un de saint, comme quelqu'un d'excellent, comme quelqu'un de visionnaire, comme quelqu'un de libéré et non d'attaché. Si tu ne te vois pas d'abord, tu ne pourras pas le manifester à l'extérieur. L'intérieur va toujours dominer l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la loi des correspondances.